Bon, mais dites-moi. Non, je voudrais pas vous pousser dehors, mais c'est l'heure d'aller baiser. Voilà. Ah ben si, je suis désolé. Vous m'avez dépassé. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Que vous dire d'autre? Oui, sans vouloir à proprement parler faire ce qu'on appelle un bilan, je pense qu'on peut dire que cette thérapie de groupe s'est avérée plutôt bénéfique. Enfin, pour moi, je veux dire. Ah oui, parce qu'en ce qui vous concerne, je suis désolé, mais vous n'avez pas joué le jeu, hein. Non, parce que normalement, pour qu'une expérience de thérapie de groupe soit efficace, il faut que chacun s'exprime, hein. Mais je suis navré, mais à part un catareux et deux pétomanes, j'étais pratiquement le seul ce soir à exposer clairement mes problèmes. D'autre part, tous les psys vous diront que pour qu'une expérience de thérapie de groupe soit bien ressentie par chaque patient, il faut que chacun de ces patients se sente concerné. Et pour qu'ils se sentent concernés, il faut qu'ils participent financièrement à la fin de la séance. Or, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez participé qu'au début. Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille maintenant. Bonsoir.